bagaille son maladie qui est en qui a affecté plus que 800 000 personnes dans le pays et il y a plus que 8 000 personnes mortes. Nous voyons que nous avons une nette réduction, il y a 74% de cas en moins de choléra qui ont gagné l'année dernière dans la même époque. Nous voyons tout que il y a des zones, tout qui des zones qui sont alertes toujours. Donc ça veut dire que beaucoup de problèmes dans l'hypersisté, même si le bien c'est énormément. Donc visite secrétaire générale là, parle permettre nous, nous une meilleure plateforme de discussion, une meilleure plateforme pour nous échanger pour que. Et ils ont engagé ensemble avec le gouvernement pour que nous continuions à aider les fonds et pour capable venir en aide à frais nous actions qui sont affectés par la problématique choléra en deux pays. Dans le département du centre, dans la zone Hinch, une zone qui est Las Palmas, que nous allons visiter une zone. Parce que là, nous allons demain et nous allons lancer toute campagne nationale d'assainissement. Et ça, c'est une autre raison que nous venons là. Et nous allons le faire, nous allons le faire ensemble. Donc ça c'est un pas qui est en dedans et qui est en dedans point que la commission a traité qui c'est font plan d'assainissement national pour que capable mettre toilettes et pour Mounio. Et bien c'est ça que nous allons visiter et Las Palmas qui sont zone côté que plan ça a commencé et mettre en place et côté qu'il y a des succès déjà dans le traitement et maladie choléra d'après. Nous allons vous parler de l'élection. Nous prenons que l'élection programmée le 26 octobre. Nous allons parler de présence et ministre. Nous allons parler de plan de consolidation. Et donc pratiquement, et nous avons un groupe de travail déjà qui travaille sous ça. Mais ça vise ça va permettre nous faire une mise à jour et faire un bilan de l'action à date et mettre un plan d'action pour le prochain mois qui vient là avec les Nations Unies, avec le secrétaire général des Nations Unies et avec l'engagement tout. Pour que nous soyons capables d'éradiquer le choléra dans le pays.